Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire le carré numéro 9 qui est le carré au point de chardon. C'est un carré qui est très intéressant car ce point de dentelle est en fait un héritage de la dentelle à l'époque victorienne. Alors, vous allez voir, on va retrouver vraiment les mêmes techniques que dans le carré précédent. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà notre très joli carré. Et au niveau du point de chardon, donc on peut retrouver les jetés. On va retrouver nos diminutions inclinées vers la gauche et vers la droite, donc le glisse-glisse tricote et le deux mailles ensemble. Et on retrouve la diminution double qui est inclinée vers la gauche. Donc je vais le remontrer rapidement. On peut remarquer à nouveau que sur notre charte, nous n'avons pas les trois mailles au point mousse à droite et à gauche que l'on retrouve sur la plupart de nos carrés, d'accord? Donc attention, on va monter 37 mailles et les trois premières mailles et les trois dernières mailles seront toujours tricotées à l'endroit et elles ne sont pas mentionnées dans la charte qui, elle, fait 31 mailles uniquement. Nous allons voir aussi que dans notre charte, nous n'avons pas les rangs pairs qui sont les rangs à l'envers et qui, eux, seront toujours tricotés à l'envers, sauf, bien entendu, les trois premières et les trois dernières qui sont toujours tricotées à l'endroit pour la bordure au point mousse. Donc, le petit point de feuille de chardon. On regarde ça plus attentivement, donc à nouveau au niveau de nos symboles. Nous avons la petite diminution inclinée vers la gauche, notre glisse-glisse tricote. Je le remonte rapidement pour un petit rafraîchissement de mémoire. Alors, le glisse-glisse tricote, je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et après ça, je vais reglisser la pointe de mon aiguille gauche au pied de ces deux mailles pour ensuite les tricoter ensemble. Voilà, et on peut voir que ça nous fait une maille avec comme un trait qui va partir vers la gauche. Pour la petite diagonale qui part vers la droite pour le deux mailles ensemble, rapidement je vous le montre, mais simplement on tricote nos deux mailles ensemble. Voilà, et ça va nous donner en fait un espèce d'amas de mailles qui va partir vers la droite. Le plus intéressant, c'est cette petite girafe. Vous voyez la petite girafe qui court vers la gauche, donc cette diminution double orientée gauche. Donc pour elle, je vais glisser la première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Je vais ensuite tricoter les deux mailles ensemble. Et simplement rabattre la maille qui a été glissée sur les deux mailles obtenues. Vous voyez comme je tiens le fil pour être sûr que tout ne débarque pas de mon aiguille. Voilà. Donc ça, c'est ma diminution double et on voit bien que ça part vers la gauche. Vous allez aussi voir que vous avez des jetés de chaque côté des diminutions. Donc on n'oublie pas le jeté, c'est très simple, hein, c'est le petit symbole avec le rond. On va juste amener le fil devant, le ramener vers l'arrière. Le jeté, il a été fait. Alors, soit on va avoir une diminution orientée droite, gauche ou double. Donc je refais la diminution double. Donc là, j'ai fait mon jeté. Après ça, je glisse ma première maille, je tricote les deux mailles ensemble. Donc regardez, vous voyez, j'ai mon jeté ici. Mon fil, il va devoir voyager pour aller prendre les deux mailles ensemble. Et regardez, ça peut être un petit peu confusant. Hein. Le fil du jeté, il embarque sur la maille glissée. Donc faites un peu attention, voilà. De bien prendre la maille qui a été glissée et non pas le fil du jeté, d'accord? Voilà. Et après ça, vous allez avoir un jeté, d'accord? Donc ce que je viens de vous montrer, il est ici, quand on a des jetés qui bordent la diminution double. Et on a aussi donc des jetés avec les glisse-glisse tricotes ou les deux mailles ensemble. Donc par exemple, je refais un jeté. Donc mon fil est devant, il repasse derrière. Puis je vais faire mon glisse-glisse tricote. Donc glisse une maille. Et je vais tricoter les deux mailles ensemble. Donc on fait encore attention, mais c'est vrai que le fil va devoir voyager.
Voilà, il va devoir voyager un petit peu plus loin. Donc, simplement, suivez bien votre charte. Faites très attention, surtout quand vous avez la diminution double, de bien prendre le fil, la maille glissée et non pas le fil du jeté. Mais sinon, on suit notre charte tranquillement. Au niveau des explications, donc on commence, on monte nos 37 mailles, on tricote nos 3 rangs au point mousse. Et après ça, on va tricoter la charte du rang 1 au rang 28. Alors vous pouvez, si c'est par exemple la première charte que vous avez eu envie de faire, vous pouvez dire, mais rang 28, il n'y a pas de rang 28. Si, ce n'est pas parce que notre charte finit avec le rang 27 qu'il ne faut pas faire le rang envers. D'accord? Donc on fait du rang 1 au rang 27, on fait le rang envers, donc qui sera notre rang 28, et on va tricoter une fois de plus la charte du rang 1 au rang 18. Après ça, eh bien, on va faire simplement nos 3 rangs au point mousse pour terminer le carré. Donc, je vous le remontre. Voilà. Donc, on a commencé par les 3 rangs au point mousse et le point, vous avez vu, fait légèrement gondoler notre carré. Ne vous inquiétez pas, quand on va coudre ça, cela va poser aucun problème. Donc, on fait la première charte du rang 1 au 28 et on la répète du rang 1 au rang 18 et on termine par nos 3 rangs au point mousse. Je vous souhaite un joyeux tricot!